Alors, j'ai un message à partager à tous les hommes. Il risque d'être assez direct, mais il est franc. Et il va fortement t'aider si tu penses de cette manière-là. Arrête de considérer les femmes comme des objets et vois-les plutôt comme des sœurs. Et je peux t'assurer que ta vie va changer à jamais. Alors certes, je suis pas là à bannir le sexe. C'est génial, j'adore ça. Faut dire les choses telles qu'elles sont, c'est extraordinaire. Que ce soit un plan d'un soir, une relation d'un mois, une relation d'un an, de 10 ans, de 20 ans, c'est génial. Mais je peux t'assurer d'une chose. Quand tu considères les femmes comme des sœurs et non pas comme des proies, ta vie change. Parce que tu vas rencontrer des gens mais extraordinaires. Tu vois, il y a plein de femmes dans mon vécu, dans mon passé, que voilà, j'avais envie d'avoir une relation avec elles, sexuelle, et au final, j'ai gâché la relation amicale. En cet instant, j'ai plein de relations avec plein de femmes qui sont strictement amicales et qui sont extraordinaires. Pourquoi ? Parce que je ne les considère pas comme des amis, je les considère comme des sœurs. Je les considère comme des sœurs et tu couches pas avec ta sœur. Alors ça ne veut pas dire que je ne vais pas avoir de relation sexuelle, ce serait un petit peu triste d'agir ainsi. Mais je pars sur la base que dès lors que je rencontre une femme, c'est une sœur. Et en fonction de la connexion qu'il peut y avoir, si cela n'est pas juste une connexion amicale, parce que le fait d'avoir une connexion avec une personne du sexe opposé ou du même sexe en fonction de tes préférences ne veut pas dire que tu dois aller au lit, ça veut juste dire que le contact passe. La question est, y a-t-il une petite étincelle supplémentaire dans les yeux de la personne quand tu la regardes, ainsi que dans les tiens? Là, ça peut aller plus loin. Mais juste fais en sorte de considérer les femmes comme des sœurs et les hommes comme des frères. Ne pas considérer les femmes comme des proies et les hommes comme des rivales, mais considérer les femmes comme des sœurs et les hommes comme des frères. Et je peux t'assurer que tu vas te sentir mieux dans ton quotidien, parce qu'il n'y aura plus cette compétition avec les hommes. Il n'y aura plus ce jeu en permanence de oh, « il faut que je te chope ». Non, il faut que j'apprenne à te connaître. Il faut que… Il n'y a pas de « il faut » en fait. Juste, viens, on apprend à se connaître. Viens, on partage cet instant ensemble. Alors juste, fais le test pendant un mois. Comme ça, tu fais ta propre expérience. Peut-être ça va pas fonctionner sur toi, peut-être tu n'as pas envie de fonctionner ainsi. C'est ton droit, c'est ton choix. Mais fais le test. Un mois où tu considères toutes les femmes comme des sœurs. Et tu vas voir que tu vas avoir des relations extraordinaires. Tu vas rencontrer des femmes extraordinaires. Non pas pour coucher avec, mais pour partager cet instant présent que tu expérimentes là, ici et maintenant. Tu vas beaucoup apprendre. Et en plus, ça va t'aider à rencontrer d'autres personnes avec lesquelles il peut y avoir éventuellement une relation d'un soir, une relation sexuelle, une relation sur le long terme. Parce que quand tu es ami avec beaucoup de femmes, bah, elles ont beaucoup d'amis femmes. Ça semble logique. Il ne faut pas le faire dans cette intention-là, mais cela risque d'être un résultat de cette action que je t'ai proposée, qui est de voir chaque femme comme une sœur. Ça peut s'avérer compliqué au début, surtout quand tu vas t'apercevoir que, en considérant les femmes comme des sœurs, celles que tu vas rencontrer, tu vas tellement développer de fortes relations avec un bon nombre de femmes que parfois tu vas te poser la question « Attends, c'est juste une sœur ou au final il y a quelque chose d'autre ?» Non, considère-la juste comme une sœur. Et je peux t'assurer que quand le contact passera d'une manière plus intime, tu le ressentiras. Ce ne sera pas ton mental qui te dira « Ah tiens, il y a peut-être moyen de coucher avec cette personne. » Non, ce sera un ressenti qui va émerger, qui n'aura pas été créé par ton mental, mais plus par un sentiment dans cet instant présent via cette connexion, qui n'est pas amical, mais qui sera intime. Donc juste, tu n'as pas besoin de t'en préoccuper. Ta seule préoccupation, c'est de voir les hommes comme des frères et non pas des personnes à entrer en compétition avec, et les femmes non pas comme des proies, mais comme des sœurs. Fais ce test, vois les femmes comme des sœurs et les hommes comme des frères pendant quelques semaines, et tu m'en diras des nouvelles. Sur ce, prends soin de toi, passe une bonne journée, et à très vite.